pour cette troupe, l'ingratitude m'a dépassé. Voilà. Je veux dire, pour cette troupe, oh non, Claudia, elle est chargée de la communication, c'est elle qui les gère. Je n'ai jamais mangé même un seul centime de Claudia, depuis que je suis né, jamais. Oh non, je n'ai jamais mangé un seul centime de Diangesu. Je veux dire, même pas un centime, oh non, Diangesu, avec un membre, je n'ai jamais mangé même un seul centime de Diangesu, jamais. Je n'ai jamais mangé l'argent des Kiki, jamais. Je vous le dis, je n'ai jamais mangé leur argent de nos communications. Je vous le dis, hein. Si je vous dis même, j'ai même fait des requêtes, retour zéro. Je dis, il y a ça, ça, ça. Retour zéro. Après, vous allez saluer mon nom gratuitement, alors que c'est un qui bouffe. Moi, je vous promets, vous allez saluer mon nom. Et c'est terminé. Et je vais désactiver la page. Dans une vidéo qui nous a été envoyée par un internaute, un abonné de notre chaîne YouTube, nous pouvons clairement distinguer un partisan du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso tenir des propos durs à l'endroit des dignitaires du régime, plus précisément à l'endroit de Denis Sassou Nguesso, qu'il dit être un ingrat. Visiblement, ce dernier a été roulé et manipulé par le despote congolais qui n'a d'estime que sa propre famille. Je vous le dis, hein, l'ingratitude du pouvoir de Brazzaville, je vous le dis, moi je ne parle de personne, l'ingratitude de ce pouvoir-là. Je vous le dis, l'ingratitude, écoutez-moi, le mot ingratitude, je vous pose la question, vous m'avez déjà vu, reçu par le président de la République, non, il a reçu Edgar Bokilo, il a fait ça, ça, ça. Jamais, jamais. Mais il a reçu les gens à qui on a fait porter les costumes. On les introduit. Il les reçoit. Ils ont fait quoi? On ne sait même pas. Quand je vous l'ai dit, c'est parce que il y a un moment, on se dit, mais c'est pas possible ça. On est dans quel monde? La reconnaissance n'existe pas dans leur tête, je vous le dis. Le pouvoir des Brazzaville, là. La reconnaissance, c'est un mot qui n'a jamais existé dans leur tête. Mais vous voyez quoi, ils font leur fête, là. Vous m'avez déjà vu, moi, là. Ils mangent même une carte. La fête du 15 août. Vous voyez les gens qui sont invités là-bas. Je n'ai jamais reçu une carte. Jamais. Je vous dis jamais. Jamais. Vous regardez les gens qui. Les gens qu'ils invitent. Mais quand il y a des problèmes, les gens ne sont pas là. Mais quand il y a des vrais problèmes, nous sommes là. Mais quand il y a des fêtes, je n'ai jamais reçu une carte. La fête du 15 août là. Au nom Edgar Bokilo, je vous ai dit jamais. C'est peut-être que vous ne me voyez pas là-bas. Je vous l'ai dit, hein. Montrez-moi une photo où le président Sassou m'a reçu ici à Plaza. Je suis là, il m'a reçu, on a fait les élections, il m'a reçu. Jamais. 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 Je vous dis jamais, jamais. Je vous dis jamais, jamais. Donc je ne suis pas important. Mais si j'étais au Gabon, j'étais en Guinée équatoriale, le président allait me recevoir. Au temps de Mobutu. Mais il allait me glorifier. Il allait me glorifier.
Et les gens, oh non, il est à Tanakou, il est le nourri. Je vous dis, tous les noms que vous citez là, les noms là, la famille là, les anciens là, je n'ai jamais reçu même un centime, je vous dis même un centime, je n'ai jamais reçu. Les noms que vous citez là, personne ne m'a demandé même un centime, même un centime de force et pas jamais. Je vous le dis jamais. Ce court témoignage vidéo que vous venez de voir est l'expression de la frustration d'un homme qui croyait être du bon côté de l'histoire. D'un homme qui a été remercié en monnaie de singe par le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan. Lorsque cet individu dit vouloir aller vivre au Gabon, il lance en effet un message subliminal à tous les patriotes congolais de prendre leurs responsabilités face à un régime qui méprise et qui opprime le peuple, à commencer par ses partisans. Denga, vous vous battez pour ce pouvoir-là, mais ce même pouvoir-là ne vous considère même pas. Les gens me prennent des attentions, et il est soutenu par X ou Y. Mais si je vous dis que je n'ai jamais mangé même un centime de tous les noms que vous parlez là, vous allez même crier, vous allez même tomber. Mais l'ingratitude de ce pouvoir-là, je vous le dis, le pouvoir de Brazzaville, là, l'ingratitude de ce pouvoir-là, là, ah, vous ne savez pas. Je vous le dis, hein, l'ingratitude de ce pouvoir-là. Ah, c'est bon. L'ingratitude de ce pouvoir-là. Vous m'avez déjà vu en pleine réception par le président Sassou. Vous m'avez déjà vu, moi, là. Il m'a reçu, le président Sassou me reçoit Edgar Bokulo. Rien! Jamais! Mais il reçoit tout et n'importe qui. Mais moi, là, que tout le monde sait que. Mais. Quand il y a des informations mensongères, montez-moi une photo de moi et le président Sassou, où il m'a reçu. On a fait les élections présidentielles. Tous ces messages, les directs, les meetings, on dirait sur ma page, suivi dans le monde entier. Il gagne les élections. Quand on décède, on trouve des. On fait des directs pour se battre. Même pas un coup de fil. Je veux le dire. Même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil. Bon, je vous dis sincèrement, je vais aller vivre au Gabon. Voilà. Comme dans ce pays, vous ne m'aimez pas, moi je vais aller vivre maintenant au Gabon. Donc ne me cherchez plus, quand vous n'allez pas me voir, hein, je vais aller à Paris, après Paris je prends l'avion, je descends à Libreville et je serai à Franceville au Haut-Ogooué. Donc on va avec le Congo bientôt, ce sera terminé. Même pas. Donc j'ai décidé, moi, je vais aller à Paris dans quelques jours. Après, je vais atterrir à Libreville. Parce que je ne peux pas vivre dans un pays où il y a tellement d'ingrats. Vous vous battez pour ce pouvoir-là. Mais ce même pouvoir-là ne vous considère même pas. Les gens me prennent des attentions. Il est soutenu par X ou Y. Mais si je vous dis que je n'ai jamais mangé même un centime de tous les noms que vous parlez là, vous allez même crier, vous allez même tomber. Le pouvoir là, je vous le dis, le pouvoir de Brazzaville là, l'ingratitude de ce pouvoir là, ah, vous ne savez pas. Si cet ancien partisan du régime sort du silence et crache ses vérités sur la nature ingrate et criminelle de Denis Sassou Nguesso, nous vous invitons à tirer vos propres
Conclusion. La lutte contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso est un devoir patriotique. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?